they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open, it rained down à tous. En espérant que vous avez passé une très bonne semaine, vous le savez, comme chaque vendredi, notre objectif reste le même, vous informer et vous divertir. Au sommaire de cette édition. Pour une faire première dose, Jimouni Kozou. Deuxième dose, Jimouni Kozou. Asté à troisième dose, Jimoun fin pleu. Une seule dose, assez pour nous système immunitaire. Je parle bien évidemment de Christophe Salambert qui présentera ses faits divers. Noémie Yuka reviendra sur les événements de cette semaine dans sa Noémie Minute. Et le choc de cette semaine en championnat, c'est bien le duel entre Chelsea et Manchester City. Nous sommes le vendredi 24 septembre. Si on a dressé Alicia, dommage qu'il peine à dresser Jimoun. Bienvenue dans votre news show. Jamais 203. L'actualité de cette semaine, c'est bien l'administration de la troisième dose du vaccin anti-Covid. Alors, pour l'instant, l'y concerne Ban Ki-moon qui finit faire deux doses Sinopharm depuis plus qui 4 mois. Après Kimichi Obigadou fin pompe nous l'air avec The only solution against COVID-19 is to have a jab. Et le message du Premier ministre qui dit vaccination, l'y a une obligation. Asté Docteur Jagatpal Pediaou, troisième dose qui finit commencer pour Ban Ki-moon. Une troisième dose qui n'est pas obligatoire, mais qui serait, selon les autorités, un nouveau bouclier contre la Covid-19. Un scénario digne d'une véritable saga. Reportage. Après Sinopharm N, m'appelle Peter Parker. M'tiens sont normal, jusqu'à sa zoomenale, dans sa centre vaccination là. Voilà, quand rentrer à ce terre. Mais... Je tiens à beaucoup d'appréhension. Est-ce qu'il me capte? Non, ou pas qu'à fumer. Ok? Depuis ça, jour là, je ne remarque pas les affaires. Parce que ça fait bien bizarre. Marie-Zanne. Mary-Zanne. Depuis que je me fais vacciner, je me sens comme si je n'avais pas le pouvoir. Pété, tu connais? Un grand pouvoir, il y a une grande responsabilité, ça. Après Sinopharm D, comme on fait ma deuxième dose, mon sentiment de pouvoir finit d'augmenter. Et mon décide de boisier. Pété, qui t'a fait gagner? Qui t'a fait monter? Qui n'arrive? Marie-Zanne, vous connaissez qui n'arrive moi? Mon gain de pouvoir, c'est naturel. Qu'est-ce? Bientôt, Sinopharm 3. Allô? Eh, hey, Marisa, des mon gars Covid, ta. Non, mon petit travail depuis la case. Radio! Oh, mon fait une troisième dose, moi, mon fait des doses assez là. Hein? Eh, hey, ton vingette-moi. Eh, hey, vingette-moi, nous fait bisous à l'envers, tout ça là. Romantique, ouais. Allez! Non, pas être à cas, mon amour masque. Si nous formes trois, work from home. Et Najimoun se n'est cassé, mais comment dire, fait divers, pas capable de présenter. Mais grand merci, passeport tout là, n'est-ce pas? Oui, on est retourné là, allez. Encore toi et toi la case. Bonjour mais... Christophe Salambert. Merci pour ton bon service. C'est qu'on va appeler ça comme ça. Passeport tout. Salut Bertrand et salut à tous. Alors, direction les casernes centrales. Un drone insurvole les casernes centrales qui est très très illégal. Drone insurvole au-dessus de là-dessous. Là, la drone là, il a au-dessus de ma voiture high profile qui me saisit et ensuite il a au-dessus de la CID. Est-ce qu'il, propriétaire drone là, envie de connaître code cachette la drogue? Comment coquin est le tout dans caserne?
ou comment fait qu'il can évader ou tout simplement guetter que ça fait tes sporking et tes sorrier sporking dans Kazen, l'avenir nous le dira pas. Direction bois d'oiseau, un miché et un drôle maladie qui très rare, qu'appelle la gueule grattée. L'intéléphone des stations de police de Rosebel pour dire qu'il y a des bombes dans station là. Et dans station là, N dans parking et N dans station là même. Il retrace l'appel de Saint-Michel bien mal là. Et Linga est attrapé. Alerte à la bombe, pas bombe ça n'a là. Parce qu'il sait ce qu'il y était, ou comme à mon grand-mère, tu peux dire c'est ce qu'il était. Direction Saint-Pierre, un professeur Linga, un coup de fil. Un coup de fil pour dire qu'il était. Ah oui, un professeur Linga, un coup de fil pour dire qu'il y a un gros colis pour attendre dans la poste. Pour capable prendre ce colis-là, il faisait payer 81 000 roupies. Il paye ce 81 000 roupies à travers une application. 81 000 roupies là, il vient recevoir. Et là, il a la poste pour rendre ce colis. Quand il arrive là-bas, l'Indien, voilà où colis. Bangala colis, pas chez la colis. Et Panreci gagne la personne. Sorry, pardon. Calme-toi. Et Panreci gagne la personne qui ne téléphone ni pour essayer coquin sur casse. Enfin, pas qu'il essaye coquin sur casse. In coquin sur casse. Elle enquête in ouvert. C'est tout pour moi. Prenez bien soin de vous et des autres surtout. Et si vous en avez un petit temps pour consacrer ou l'éducation. Et soit ou bans enfants et dans l'Education Fair de Radio 1 au NSI Park Hotel jusqu'à 16h demain, donc profitez ou l'avenir capable en dépanne. Et oui, pour qui vous pas ou ici vous finissez comme Christophe Salambé, n'est-ce pas? Merci beaucoup Christophe, à la semaine prochaine. Place tout de suite à la Noémie Minute avec Noémie qui a. Salut Noémie. Salut Bertrand, salut. Alors encore une semaine très chargée pour nos politiciens. L'opération séduction se poursuit comme une campagne électorale. Métro Express, encore un pont inauguré. Cela devient presque une habitude, mais les choses ne se déroulent pas toujours de la même façon. Et si pour les lauréats, il faut savoir répondre à toutes les questions. Pour devenir Premier ministre ou ministre, il faut surtout apprendre à refuser de répondre aux questions des journalistes. On retourne aussi sur cette annonce de rappel vaccinal par le ministre de la Santé. Voici tout de suite le compte-rendu de l'actualité de cette semaine. C'est désormais officiel. Le rappel vaccinal a démarré cette semaine. Une troisième dose qui semble difficile à digérer, même pour les autorités. L'année dernière, en décembre et qu'en janvier, et je ne finis comment ce troisième dose. À Phoenix, le Premier ministre avait du mal à garder l'équilibre. Face à la presse, a réduit, pas question de parler d'autre chose que du métro. Est-ce que c'est pour l'actualité là, Non, l'actualité c'est métro aussi. D'ailleurs, vous trouvez, comment nous faire cette visite, quelle quantité de bénédictions qui nous gagnent là, quelle quantité, hein, le tout, aussi pareil, vous trouvez, alors, nous cadrer, nous, le métro. Idem pour la ministre Kalpana Kundjusha, lui poser d'autres questions semble être un problème. Et ce matin, on retiendra un mot de l'avocat Rama Valaiden lors de l'arrestation de son client Ivan Bibi. Et le mot beau, un mot français. Hein, le mot un verbe, et n'allie au présent, je vous, nous mourrons, vous mourrez, vous. Et n'allie à l'impératif, et n'allie, je vous trouve, bourré, mais dire aussi gavé. Hein, autant qu'il me connaît, bourré, je vous trouve, existait dans le dictionnaire français, et beau aussi existait en anglais, qui veut dire un bengaleux. Et si l'anglais et le français parfait du ministre Obigado est un outil pour attirer les touristes, les Mauriciens sont peu rassurés, d'autant que certains chiffres laissent planer quelques doutes. Au sein du gouvernement, les choses s'activent à une semaine de la grande réouverture des frontières. Mais Noémie, si Premier ministre, il y a un bal premier du monde qui me fait vaccin, et il avait dit que c'était pour montrer l'exemple. De quoi lui fait troisième dose? Que je peux gagner les temps là et non encore, pont pour inaugurer, amène tiseau. À la semaine prochaine, Noémie. À la semaine prochaine.
Le choc de cette semaine en première ligue, bon, because football, forcément, c'est bien l'affiche entre Manchester City et Chelsea. Un premier véritable test pour les Citizens de Pep Guardiola dans la lutte de son propre titre. Enfin, pour la défense de son propre titre. Tenu en échec contre sa petite équipe qui a payé Southampton là, la semaine dernière, eh bien, l'entraîneur espagnol devra se rattraper. Nous l'avons rencontré ce matin. Reportage. Pep, comment pour aborder ce match contre Chelsea là demain? I think it's a big game tomorrow. We have to push, trying to give the best on the pitch. Ok, mais la semaine dernière on n'a pas gagné, mais comment encore demain on peut tracer? No, it's just a game. We can bounce back. What is this translation? Non. What is this translation? Pas gain tracas. I didn't say. Pas gain tracas. Ok, dis-moi Aster, qui joue à café ou gagner demain? I have great players, you know, who give everything on the pitch. Jack Grealish is incredible. Sterling is so fast, so precious. Please, what is this translation? I didn't say that. Qui est l'objectif pour sa saison là? Win the league, win the Champions League, win everything. Ok, merci Pep. Thank you. Merci de finir cet épisode du New Show là. Encore une fois, n'oubliez pas de like, commenter et share cette vidéo là. Sonne la cloche, subscribe sur la page YouTube de One TV et pas oublier like la page Facebook de Radio One. Zot peut croire, hein? Si zot lichien qui maudit moun, zot lichien qui poil dans casso, non menti! C'est zot qui poil dans casso! Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, zot connaît la vie de l'icône vivi avec Manji Moon qui nous content. Et nous marrons contents, zot. En vous souhaitant un très bon week-end, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao! Et oui, l'opération séduction se poursuit comme une campagne. 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 Place tout de suite à la Noémique. Et oui, comme un air de campagne électorale après ça aime tout. Maintenant, on connaît le texte. Boîte. Dans boîte et je retiens ma tête de cette boîte. T'as quoi ça? Sérieux? Couchez! Salut à tous! En espérant que vous avez passé. Ça couche et laisse pas. Ça laisse pas être bizarre, non? Elle m'a fait à toujours. Et pour l'instant, il Sorry. J'ai eu un mougli dans la gauche. Affiche entre Manchester City et Chelsea. Je ne vois pas mon prompteur. Dans la lutte pour la défense de son propre titre. Tenu en échec. Allez, en échec. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao.